Bonjour, je m'appelle Allison Lang et avec Toyota, je suis là pour vous aider à apprendre tout ce que vous devrez savoir sur le volleyball assis. Conçu pour les athlètes en situation de handicap physique, le volleyball assis est une adaptation dynamique du volleyball intérieur avec quelques variations des règles. Jouer sur un terrain plus petit avec un filet plus bas, le volleyball assis met en valeur l'agilité, la stratégie, l'habileté et le travail d'équipe. Avec 6 joueurs de chaque côté, y compris un libéro, les équipes essaient de marquer des points en envoyant la balle dans le camp adverse. Frapper la balle en dehors des lignes du terrain de l'équipe adverse donne un point à l'opposition. Les équipes peuvent utiliser un maximum de 3 contacts pour préparer une attaque avant que la balle ne traverse la filet. Les joueurs devront maintenir un contact avec le sol en tout temps. Les sets sont remportés par la première équipe à atteindre 25 points avec une avance de 2 points. Et la première équipe à remporter 3 des 5 sets remporte le match. S'il y a un cinquième set décisif, la première équipe à atteindre 15 points avec une avance de 2 points assure la victoire. Maintenant que vous connaissez tout sur le volleyball assis, assurez-vous de nous suivre et de nous encourager.